يومنا هذا ما يزال الأب سامويل ذاك الصوت الصارخ في البرية الذي يدعو الناس إلى التوبة والعودة إلى الذات، معتبراً أن وباء انتشر في مجتمعاتنا المسيحية وتغلغل في أعماقها فنخرها وزعزع أساساتها. ما زال محافظاً على قيم الكنيسة المسيحية بالرغم من كل ما دب فيها من شوائب وعلل، وكأنه عاصر الأنبياء وشهد ولادة المسيح. ففي عصر جهل تاريخه وفقدت هويته بين براثن العولمة والعلمنة ونشر مبادئ لا قيم لها، عصر نشهد فيه بيع كاتدرائيات وكنائس وبخاصة في الدول الأوروبية التي في بعض الأحيان باعت جذورها في سبيل كسب الربح السريع والفاني. ذاك الصوت هو صوت المونسنيور شارلي كليمان بونيفاس، نال اسمه الجديد في 26 من تموز عام 1988 والمعروف حالياً بالأب سامويل. هو تركي الأصل، ولد في تركيا وكان يدعى سامويل أوزديمير، وقد حاز على الجنسية البلجيكية في 7 من آب عام 1980، وهو اليوم فخور بجنسيته الأوروبية التي وبحسب تعبيره تحترم حقوق الإنسان. Je suis né à Turabdin, pas loin de Mésopotamie, en 1942. Et quand j'avais 6 ans, l'ange Raphaël m'a guidé d'aller vers Dieu. D'aller à l'église tous les dimanches et d'apprendre, de comprendre la parole de Dieu et d'écouter attentivement le Saint-Évangile et d'être stable dans le village. Après, j'étais à Midyat, pas loin de Mossoul, Mardin, pas loin de Mossoul. Midyat, c'est un évêque orthodoxe. Je suis resté plusieurs années chez lui. Mm-hmm. Après, l'archevêque de Mardin est venu me visiter. Il m'a pris avec lui. Je suis resté plusieurs années chez lui et aussi à Dair Zafaran, c'est un couvent très connu. Même Arcadius et Honorius, les rois d'Occident et de l'Orient, avaient aidé ce couvent, oui. Dair Zafaran. Après, il m'a ordonné moine. Je suis resté plusieurs années dans le couvent. J'ai été aussi 2 ans directeur du couvent. Et après, j'ai été dans les couvents des autres couvents, Mar Gabriel, Mar Sarkisoubakos, Mar Ha'itotha, aussi Mar Aouguin. Après, je suis retourné, je suis revenu au Liban. J'étais accueilli par le cardinal Tapuni Peasonam. C'était un homme formidable, cardinal syro-catholique. Il m'a accueilli et je suis resté plusieurs années à Cherfé et au Liban. J'étais fier d'être au Liban. À ce moment-là, le Liban était vraiment le paradis. On dirait le Suisse de l'Orient. Et comme il est tombé malade, le cardinal Tapuni, il a donné l'ordre à Monseigneur Grégoire Ephraim Jarjour de m'ordonner, ordonné prêtre syro-catholique. Et après, ils m'ont envoyé à Constantinople, actuel Istanbul. Pour les fidèles de syro-catholique, je suis resté plusieurs années. Et après, de nouveau, je suis retourné à Mardin, à Turabdin, à Mésopotamie.
Et là, j'ai eu quelques problèmes, bien sûr, avec nos amis musulmans. Je suis retourné de nouveau au Liban. Et après, Monseigneur Grégoire Ephraim Jerjou m'a envoyé ici, en Belgique. J'ai été pendant 17 ans dans le diocèse de Tournai. Et après, le diocèse de Tournai m'a dit, on n'a plus besoin de vous, retournez au Liban. Il a coupé mes salaires, mon salaire. Bon, ce n'est pas grave, les apôtres n'avaient pas de salaire finalement, à la grâce de Dieu. Après, j'ai continué mon apostolat. Et des milliers de gens viennent chez moi de toutes parts, de tous les pays, presque de 60 pays du monde. Ils ont des problèmes, ils ont des difficultés. Je suis gratuitement à leur disposition jour et nuit. Je ne suis pas retourné au Liban parce qu'il y avait la guerre civile, malheureusement, entre nos amis musulmans et les chrétiens. Je suis resté ici. Après, quand Monseigneur Younan III est devenu patriarche, il m'a donné une attestation comme quoi depuis plusieurs années vous êtes ici en Belgique, maintenant vous dépendez de notre patriarcat. Il m'a donné une attestation et après je suis resté ici. Je travaille maintenant pour tout le monde sans distinction de classe, de race, de religion. Qui que vous soyez, je suis à leur disposition jour et nuit. Et c'est comme ça, les gens viennent. Vous avez vu tant de monde, tant de gens de différents pays du monde, des pays limitrophes viennent. Je dois donner ma vie pour tous, non seulement en parole, mais en action. Alors, Monseigneur Boniface, avez-vous entendu la voix du Christ et quels sont les signes que vous avez entendus ou reçus de Dieu avant d'entamer votre mission chrétienne? Effectivement, quand j'avais 6 ans, je voyais mes parents qui étaient si orthodoxes. Et il priait, et moi aussi, je priais des heures comme ça. Et mes parents disaient, ça, certainement, il va devenir bien un missionnaire, un prêtre, ou un pape, de temps en temps, disait, ou un cardinal, ou un évêque. Effectivement, j'ai choisi d'être prêtre, serviteur de tous. C'est l'ange Raphaël, toujours m'a guidé jusqu'à ici. Je ne fais rien sans consulter l'Esprit Saint, sans consulter notre Seigneur Jésus-Christ, sans consulter l'ange Raphaël, qui est notre guide. Mm-hmm. Ouais. Comment avez-vous approfondi la chrétienté dans votre paroisse et par suite propagé le sens de l'amour et de la paix, surtout en Europe? Chez nous, nos ancêtres étaient tellement croyants, tellement pratiquants, tellement chrétiens, c'était automatique. Ipso facto, nous sommes chrétiens, pratiquants. De fait même, on ne pose même pas la question. Oui. Monseigneur Boniface, on a remarqué que plusieurs gens viennent chez vous de plusieurs pays. Pourquoi, à votre avis? Honnêtement, je vous dis, moi, Dieu me suffit. Je n'ai besoin de personne. Mais si les gens ont besoin de moi, je suis à leur disposition, résolument, 24 heures sur 24 heures, bénévolement. Et je dis ça avec fierté, gratuitement. Il vient parce que je suis disponible. C'est ça aussi, le célibat, le prêtre quand il est célibataire, il est disponible jour et nuit. C'est pour cela que nous sommes fiers d'être célibataires. Et même, je vous dis tout de suite avec joie, et aussi vierge, toute notre vie. Mm-hmm. Disponible au service de tous. C'est pour cela qu'il vient, ils sont accueillis. Et je suis avec eux, ils voient un respect pour eux, leur dignité. Noblement, j'ai dit, vous êtes les bienvenus, comme hier, vous avez remarqué comment les gens, après l'émission, après la messe, j'ai reçu 60-65 familles qui venaient des pays limitrophes, de l'Allemagne, de Suisse, de Hollande, de France, et de temps en temps, de l'Amérique et même d'Australie. Oui. Encore, nous avons remarqué que les enfants sont assis dans les premiers rangs dans l'église. Pourquoi? Pour moi, l'enfant est le père de l'homme. L'enfant doit être respecté, éduqué, catéchisé, chrétiennement, catholiquement et civilement, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Parce que l'être humain est le produit de l'éducation. S'il n'y a pas d'enfant, pas d'église. S'il n'y a pas d'enfant, pas de société. Bien sûr. S'il n'y a pas d'enfant, pas de société, pas de nation. C'est pour ça que l'enfant doit être bien
Absolument éduquer, bien respecter, comme Jésus disait, laissez les enfants venir à moi, et Jésus les a bénis en imposant les mains. Encore, on a entendu les fidèles dire que tous vos services pastoraux sont gratuits. Pourquoi? Je dis avec fierté, j'applique la parole de Christ. Vous avez reçu gratuitement, faites gratuitement. Le gratuit est divin. C'est vrai, mariage, baptême, funérailles, enterrement, visite des malades, aller dans les hôpitaux, faites la paix entre les familles de 300 km, nous demandent. Nous allons là avec trois personnes et nous sommes à leur disposition parce que le gratuit est divin. Il est écrit dans l'évangile Magon Septun Magon Hap. Et ça, c'est, je suis fier parce que sinon, c'est du commerce. Même quelqu'un qui est décédé, s'il n'a pas d'argent, c'est nous autres, on paye les obsèques, les enterrements, les funérailles. Et avec respect et dignité, et nous sommes fiers de ça, de travailler gratuitement pour tous les hommes sans distinction. وبما أنه ترعرع في الشرق لمدة 35 عاماً قبل انتقاله إلى أوروبا، فهو قد انفتح على كل الثقافات، لغته الأساسية الآرامية لغة المسيح، كما درس العلم العربي الإسلامي لمدة 40 عاماً، وكتب عنه موسوعة كاملة استغرق العمل فيها 7 سنوات، وفي سنة 1950 درس اللاهوت في دير الزعفران في تركيا. تنشأ عبق التاريخ من أعمق وأكبر الكتاب والفلاسفة والقديسين، حتى اكتسب منهم خبرة روحية وثقافية عميقة، واتخذ منهم عبر ورسائل ساعدته على التبشير بالإيمان المسيحي، وأصبح الأب سامويل بحد ذاته موسوعة كاملة من المعلومات الروحية والتاريخية. لا تذكر تاريخاً أمامه إلا ويسرد لك تفاصيل أحداثه عبر مر العصور، وكيفما تلفت الجالس مع الأب سامويل يقرأ عبارة يستخلص منها الكثير الكثير لإكمال مسيرته الإيمانية بمثابة زوادة روحية أحب مشاركتها مع الجميع كمبشر ومؤمن. تأثر به العديد من الكتاب والنقاد والصحفيين وكتبوا عنه مقالات نشرت عبر وسائلهم الإعلامية، ومن بين أبرزهم الكاتب بيير جولف الذي أصدر مؤلفات عدة حول الأب سامويل مفتخراً بما يقوم به بمحبة مطلقة ومجانية تامة. وبما أن المسيح هو السامع الأكبر، فهو على مثال معلمه يقضي معظم أوقاته في تلبية حاجات الناس من زيارات المستشفيات ومباركة المرضى والإصغاء إلى كل شخص يأتيه حاملاً متاعبه ومشاكله، فينفض عنه غبار الخطيئة ويتجدد روحياً من خلال نصائح الأب سامويل الأبوية والمشجع له لتخطي الصعوبات، فيخصص بذلك وقتاً طويلاً كل أحد بعد القداس للإصغاء إلى الناس ومساندتهم. منذ العام 2011 وحتى يومنا هذا، يواظب الأب سامويل كل يوم خميس من كل أسبوع على التعليم المسيحي وتعليم اللغة السوريانية الآرامية لغة المسيح
في كنيسة بروكسل وكنيسة القديسة ريتا والقديس أندري وبشكل مجاني تماماً، ويحتفل معهم بالقداس الإلهي ومن أهم القداسات التي احتفل بها في كنيسة سانت ماري ماجور في روما، إلى جانب الكاردينال ليوناردو ساندري رئيس مجمع الكنائس الشرقية في الفاتيكان، والبطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الأنطاقي في شهر حزيران من عام 2009. في العام 2010 احتفل الأب سامويل بالقداس الاحتفالي لمناسبة ختام المؤتمر الثالث ساكري دوتال. وفي باريس أيضاً احتفل إلى جانب البطريرك يونان والكاردينال الثالث والعشرين بقداس على نية الشهداء في كنيسة سيدة باريس يوم 28 من تشرين الثاني عام 2010. كما دعي الأب سامويل إلى إيطاليا للاحتفال بقداس إلى جانب دون روبرتو تاسي، وذلك لرفع الصوت وتضامناً مع الصحفية والكاتبة الإيطالية الأصل والشجاعة أوريانا فالاتشي، وذلك في فلورنس إيطاليا في 16 من أيلول عام 2012. ترأس الأب سامويل قداساً احتفالياً داخل البرلمان الأوروبي، وذلك كان سابقة له أمام شخصيات بارزة وفعاليات رسمية، وبحضور ومشاركة المسؤول عن الجامعة الأوروبية في روما يوم 24 من تشرين الثاني عام 2011 بدعوة من ماجدي كريستيانو ألين الذي كان مسلماً من الجنسية المصرية وقد ارتد إلى المسيحية وتعمد على يد البابا بنديكتوس السادس عشر. وماجدي هو صحفي يعمل في جريدة إيطالية ومسؤول عن حركة سياسية تدعى إيو آمو لإيطاليا. من 19 وحتى 21 من آب شارك الأب سامويل بالأيام العالمية للشباب GMG. ففي 20 من آب عام 2011 شارك مع البابا بنديكتوس السادس عشر وبمعاونة البطريرك يونان في صلوات مراحل درب الصليب في إسبانيا. وفي 20 من آب عام 2011 عاون الأب سامويل رئيس أساقفة الموصل للسريان الكاثوليك في العراق بقداس احتفالي للإكليريكيين. أما في 21 من آب عام 2011 فشارك الأب سامويل مع حشد من البطاركة والأساقفة والكهنة القادمين من كل أنحاء العالم بالقداس الذي ترأسه البابا بنديكتوس السادس عشر في مدريد إسبانيا، كما التقى من على منصة الشرف المخصصة للأساقفة بمليوني شاب وصبية من كل بقاع الأرض. وخلال هذا اليوم كان للأب سامويل لقاء إعلامي خاص لقناة TVE التلفزيونية الرسمية الإسبانية، وبعدها بارك حشود غفيرة من المؤمنين في معظم شوارع مدريد. في 22 من تشرين الثاني عام 2011 وجهت دعوة خاصة للأب سامويل من قبل ألكسندر ديلفال للاحتفال بقداس خاص داخل البرلمان الأوروبي في بروكسل، وللقاء النواب والفعاليات الرسمية وطرح موضوع مسيحي الشرق وتحدياتهم وهجرتهم. كيفما مشى وأينما ذهب يبارك الأب سامويل المؤمنين بالزيت المقدس، ويتميز قداسه كل يوم أحد بتوزيع الملح والخبز المقدسين على المؤمنين. كذلك فهو يبارك البيوت، المحال، السيارات، الحيوانات، المؤسسات الإعلامية مثل RTL, TVE, سوريويو TV, سوريويو سات وغيرها من الشركات، وكل ذلك مجاناً ومحبة بالمسيح وعملاً بوصيته مجاناً أخذتم فمجاناً أعطوا. Boo!
ومن جهة ثانية التقى الأب سامويل بفعاليات روحية ورسمية من كافة أنحاء العالم، نذكر منهم لقاءه الأخير مع البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي في لبنان، وتداولا في خطورة الوضع المحدق بالشرق الأوسط وبمسيحييه، كما تبحثا في سبل إيجاد حل ملائم للأزمة. وللأب سامويل ندوات ومحاضرات ومؤتمرات عالمية، نذكر منها في بلجيكا، فرنسا، إيطاليا ولبنان، بحيث أفسح له المجال للتعبير عن آرائه وأفكاره بحرية مطلقة حول حقوق الإنسان وحرية التعبير والحرية الدينية مواجهة لاضطهاد المسيحيين في العالم. من 23 وحتى 26 من أيار عام 2012، وبدعوة من البطريرك مرأغناطيوس يوسف الثالث يونان الأنطاقي ورئيس إكليريكية السوريان الكاثوليك في دير الشرفة، شارك الأب سامويل بمؤتمر حول المخطوطات المقدسة في الكنيسة السوريانية الكاثوليكية. Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'école de Dieu, l'école du Christ est parmi nous. C'est-à-dire la télévision araméenne, il vient de loin. Souvent, j'ai critiqué les télévisions, les médias, les journaux. Je disais souvent, c'est l'école du Satan, l'école du diable. C'est infernal. La télé est faite pour des hommes et des femmes qui n'ont pas d'idées. Ils avalent tout. Aujourd'hui, ce n'est pas l'école du Satan qui est parmi nous, c'est l'école de Jésus-Christ, l'école de la très sainte Vierge Marie, l'école des apôtres, l'école de Dieu Tout-Puissant Éternel, la télé araméenne. Et nous sommes fiers qu'ils sont venus de loin d'être ici, oui. Oui, l'expérience passe la science. Mais la science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Nous avons souffert des écoles de Satan, les télévisions nationales ou internationales. Ils ont dit n'importe quoi contre nous, contre vous, pour nous noircir, pour nous vraiment démolir. Mais n'ayez pas peur, nous sommes indémolissables. Nous prêchons le Christ, nous dérangeons. Nous disons la vérité, nous dérangeons. Nous accueillons les pécheurs, nous dérangeons. Nous prêchons l'évangile, nous dérangeons. Et cette télé araméenne qui vient de loin, du Liban. Oui, du Liban. Ils ne sont pas là pour nous critiquer, pour vous critiquer. C'est le contraire. Pour faire l'éloge de Saint Antoine de Padoue, pour faire l'éloge des fidèles. Et l'étonnement sur l'étonnement, quand vous priez, quand vous chantez, c'est merveilleux, c'est magnifique. Vous êtes unique, exceptionnelle communauté de l'école de Christ notre Seigneur. Et nous sommes fiers d'être ici, nous sommes fiers d'être chrétiens, nous sommes fiers d'être catholiques et pratiquants. Et nous sommes fiers aussi d'être avec notre pape, le pape François, le pape François, le pape François et tous les papes, maintenant et pour toujours.
Je suis très heureux et vous êtes tout de suite, vous avez compris. Vous avez compris tout de suite, donc tranquillité, confiance, fidélité, stabilité, à l'aise, absolument à l'aise. Et ça s'appelle télé-lumière. Aujourd'hui, la lumière est parmi nous. Et cette télé-lumière va dans le monde entier. Quand vous chantez le credo, quand vous chantez Gloria, quand vous chantez autre chose, ou mais tout à l'heure on va chanter aussi même la Brabançon parce que c'était la fête nationale. Et là, je crois le monde entier va vous remercier et va remercier télé-lumière, que voulez-vous de plus? Ce n'est pas télé-Satan, c'est télé-lumière. Souvent, beaucoup de télévisions sont vraiment des ténèbres, école du mal, école du Satan. Ici, c'est l'école de Dieu, l'école de la lumière, comme Jésus a dit, je suis la lumière du monde, qui marche à ma suite ne tombera jamais. Eh bien, nous suivons télé-lumière, il va nous donner la lumière, mais ayez confiance totale, absolue. Il vient de loin, des kilomètres, ce n'est pas pour nous démolir, loin de là, pour montrer votre foi, votre dignité, votre chrétienté, votre spiritualité. Donc confiance, une fois pour toutes, soyons à l'aise. Merci pour votre gentillesse, pour votre présence, pour votre fidélité, maintenant et pour toujours. Amen. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Vous venez d'écouter les acolytes, les diacres. C'était la lecture des rois. Roi Salomon, troisième roi d'Israël. Dieu lui dit, demandez-moi quelque chose. Salomon demande la sagesse, le discernement, la compréhension. Et Dieu même était étonné, il dit, mais vous n'avez pas demandé la richesse, vous n'avez pas demandé d'attaquer les ennemis, vous avez demandé le discernement et la sagesse. Nous regrettons amèrement en Orient qu'il y a toujours des guerres, des malentendus contre les chrétiens de l'Irak, de Syrie, de l'Égypte. Et nous voulons qu'il y ait la paix entre toutes les nations, tout particulièrement en Orient, entre les Palestiniens, entre les Israéliens. La paix, parce que Jésus est né là, en Orient. Les hommes et les femmes doivent vivre dans la paix de Christ, avec le Christ, la paix fraternelle, universelle. Et nous regrettons amèrement que le sang coule souvent en Orient. Alors nous demandons pour la paix, qu'il y ait vraiment la paix en Orient, en Irak, en Syrie, en Palestine, en Israël, en Égypte. Parce que le Christ est né en Orient et les Orientaux doivent faire la paix immédiatement. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Alors l'évangile d'aujourd'hui, c'était vraiment la bénédiction. Les foules couraient vers le Christ, à pied, des foules immenses. Et ils restent avec lui des heures. Les disciples viennent, ils ont faim. Nous devons aller acheter quelque chose. Jésus dit à ses disciples, donnez-leur vous-même. Donc il nous excite à la charité universelle, à la tolérance universelle, à la charité fraternelle, que nous aidions les malheureux. Nous devons aider les malheureux, les abandonner, les laisser pour compte, les pauvres. Nous devons les aider. Vraiment, 100% ce qu'on fait ici, ce que vous faites, ce que je fais depuis une quarantaine d'années. Merci pour votre gentillesse d'écouter attentivement. Et alors, qu'est-ce que vous avez chez vous? 5 poissons. 5 pains et 2 poissons. Jésus a béni les poissons et le pain, il rompit. Il a donné à ses disciples de distribuer à la foule. C'est vrai, le prêtre doit distribuer le Saint-Sacrement. Comme Jésus, après avoir béni le pain, il n'a pas donné à n'importe qui. Il a donné
aux apôtres, aux prêtres, qui puissent distribuer le pain béni. Et il restait en même temps, après la bénédiction, 12 paniers de pain.